www.casarema.fr. En exclusivité, tapez www.casarema.fr. Très chers fidèles auditeurs de la www.casarema.fr, nous sommes très ravis d'être connectés à nous dans cette tranche d'animation Le Fan de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un thème, un petit sujet que nous intitulons « La vie est fragile ». Et déjà, pour faire plaisir à tous nos fans, je m'en vais saluer notre maman, maman Lise Manzambi. Je n'ai pas oublié mon PDG, papa Blaise Manzambi, mon leader PPK, papi Konginda et sa jolie dame, maman Sylvie, maman Lily Kila. Je n'ai pas oublié pasteur Clément Mambouini en Suisse. Vraiment très ravie d'être connectée à nous cet après-midi. Aujourd'hui, on va parler de la vie, pourquoi la vie est fragile. Mais avant d'entrer dans le gros de notre message, nous vous proposons une page publicitaire. Dieu m'a envoyé comme un prophète de Dieu pour ramener ces choses à l'existence. Car il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Une nouvelle vague de l'onction du Saint-Esprit souffle sur Paris. Doumbassi Ministries organise une nuit miracle en date du vendredi 11 avril 2014 à partir de 22h avec pour thème l'onction à triple rivière. Orateur du jour, prophète Aimé Kingdom, loin de l'éternel du temps de la fin. Au rendez-vous, prophétie, délivrance, guérison, miracle. Adresse 4 rue Louis Armand, 92 600 Asnières sur Seine, France. Téléphone plus 33 6 99 89 08 66. Compte Facebook, dièse Aimé Kingdom, Dombassi. Voyez comme un prophète de Dieu pour ramener ces choses à l'existence. Car il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Venez nombreux au rendez-vous du Saint-Esprit. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Vraiment, merci, merci. Et je crois que cet élément a fait plaisir à mon DT Caleb Kakosi. Je n'ai pas non plus oublié mon DG, Monsieur Guy Lubamba. Nous parlons de la vie. La vie est fragile. Pourquoi la vie? Et qu'est-ce que la vie? La vie, c'est l'énergie. Et pourquoi seulement nous devons parler de la vie? Et pourquoi seulement nous devons nous atteler sur cet adjectif de la fragilité? Pourquoi la vie doit être fragile? La vie est fragile parce que nous ne sommes pas les créateurs. C'est Dieu qui est le créateur. Dieu nous a donné ce pouvoir de choisir la vie, mais seulement il ne nous a pas donné cette opportunité de conserver la vie. C'est lui seul qui en est le conservateur. C'est lui le garant du souffle de vie. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes obligés de veiller à notre vie, parce que la vie est tellement fragile. Et du coup, elle peut être flétrie et on ne peut plus parler de toi. Tu passes comme si tu n'as pas été, tu passes inaperçu sur cette terre. Mais c'est que moi je veux vous parler aujourd'hui, je crois que bien aimé dans le Seigneur, deux fois vous vous dites, vous vous posez cette question, pourquoi c'est me faut parler de la vie? Or la vie c'est un privilège que nous recevons du Seigneur quotidiennement, c'est un cadeau que le Seigneur nous offre, c'est une raison pour nous d'espérer Seigneur, c'est notre raison de vivre la gloire de Dieu, le merveille de Dieu et pour témoigner sa bonté. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes environnés
de méchanceté, nous sommes environnés de toutes choses qui accablent notre vie et quotidiennement, il y a un combat, une lutte acharnée qui ne cesse de s'élever quotidiennement dans notre vie pour tuer, pour nuire, pour torturer. Mais dis-moi, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes enracinés, nous avons ces privilèges d'être appelés enfants de Dieu pour que notre vie soit conservée. Et c'est comme ça, Christ dit, celui qui voudra perdre sa vie, celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi la retrouvera. Et celui qui voudra lui-même gagner sa vie la perdra. Nous sommes obligés de dépendre au Seigneur. Nous dépendons au Seigneur non pas pour faire plaisir à nous-mêmes. Nous dépendons au Seigneur parce que nous sommes incapables par nous-mêmes. Et seul le Seigneur qui a toutes les forces vitales pour nous ranimer, pour nous rajeunir, pour faire de nous des hommes et de femmes capable de témoigner sa gloire sur cette terre. Le but de toute chose, c'est d'adorer le Seigneur, c'est de témoigner sa bonté. Mais lorsque cette vie est ôtée, lorsque cette vie ne donne plus plaisir, ne fait plus plaisir au Seigneur, lorsque cette vie ne sait pas reconnaître la Seigneurie de Christ, cher ami, fidèle auditeur de Casarema, moi je crois que quelque part, c'est nous qui perdons, car notre vie est précieuse et le temps n'est jamais en retard. Le temps va toujours de l'avant, le temps est précieux. Il n'y a rien qui soit plus précieux sur cette terre, si ce n'est la vie, le souffle de vie que l'Éternel nous donne quotidiennement, chaque instant de notre vie. Nous devons la maximiser en faisant le bien et non le mal. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure la mort frappera à ta porte. Mais dis-moi, nous devons, nous, enfants de Dieu, maximiser notre temps par la bonté. Maximiser notre temps par de belles actions. Parce que le Seigneur nous en demandera. Le Seigneur nous rendra compte de ça. Oui, nous serons jugés certainement. Mais seulement, nous devons prouver sur cette terre que nous sommes enfants de Dieu. Que la vie que le Seigneur nous a prêtée, et c'est vraiment en fonction d'une dette, parce que nous sommes redevables par rapport à tout ce que nous posons comme acte, redevables par rapport à tout ce que Dieu nous a donné comme talent ou compétence. Nous devons en témoigner la gloire du Seigneur. Et c'est comme ça, aujourd'hui, je crois que bien-aimé dans le Seigneur, et je sais que vous posez la question, pourquoi ça me doit parler de la vie? Parce que la vie, c'est ce que tu as comme gage, comme héritage, comme privilège sur cette terre. Lorsque cette vie est ôtée, lorsque ce souffle de vie, tu ne l'as plus, je crois que tu es semblable à une feuille que toute personne est capable d'écraser à chaque instant. Mais dis-moi, parce que nous sommes graciés, nous avons cette opportunité de rencontrer le Seigneur, et le Seigneur ne cesse de nous garder, ne cesse de nous protéger, parce que le diable rôde comme un lion rugissant autour de nous, cherchant qui à dévorer. Mais seulement si nous, enfants de Dieu, nous nous confions totalement au Seigneur, si nous, enfants de Dieu, nous dépendons totalement au Seigneur, nous croyons que le Seigneur peut nous faire du bien. Je crois que, cher ami, dans le Seigneur, cette vie que le Seigneur t'a donnée, tu en feras réellement un beau cadeau pour tes enfants, pour ta famille et pour tout ce qui t'entoure. Parce que le Seigneur cherche ceux-là qui sont prêts, ceux-là qui sont disponibles pour qu'au travers d'eux, ils puissent témoigner et manifester sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que vraiment, on n'a pas assez de temps. Mais dis-moi, je crois que nous nous sommes bien compris. La vie est précieuse. Et la vie est précieuse, c'est un privilège que l'Éternel nous offre à chaque instant. C'est une garantie, c'est un héritage que le Seigneur nous accorde. Et cette vie, nous l'avons en redevance. Nous l'avons parce que nous sommes redevables. Nous devons rendre compte de cela. La vie que l'Éternel te donne, elle ne te donne pas. Il ne te donne pas cela pour que tu en fasses je ne sais pas quoi, tu engages toi-même, mais non, mais le Seigneur t'a prêté vie pour que tu maximises ton temps en bien, en faisant le bien, en témoignant sa gloire, en maximisant ton temps à témoigner les compétences que Dieu a mis en toi au profit des autres. Cher ami dans le Seigneur, moi je crois une chose, que le Seigneur, s'il nous garde jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Et le plan merveilleux pour nous, c'est de témoigner la gloire de Dieu, parce que la Bible déclare que l'Éternel a tracé pour nous
un plan de bonheur, un plan de paix pour un meilleur avenir. Le meilleur avenir est lié au souffle de vie, est lié à la garantie de la vie. Et c'est comme ça que nous devons nous confier au Seigneur qui a les privilèges, qui a cette force de nous garantir la vie, de nous garantir le souffle de vie. Et si aujourd'hui il disait que c'est fini pour toi, cher ami, tu n'auras pas un mot, tu ne sauras comment discuter devant Dieu. Moi, je crois que tu vas t'enfermer dans ta chambre, tu vas pleurer, mais ce ne sera pas la solution. Maintenant que le Seigneur t'a prêté vie, c'est pour toi le temps de maximiser ton temps, le temps de veiller sur ta conduite, de veiller sur ta famille, de faire ce qu'il faut faire pour que demain, même si tu n'es plus là, mais que les gens disent de bien de toi, disent de toi en bien et non en mal. Chers amis, chers fidèles auditeurs de la www.casarema, nous sommes là pour vous. Nous sommes le number one de la promotion chrétienne. Et aujourd'hui, nous vous parlons de la vie pour que vous fassiez attention, pour que vous marchiez non pas comme marche le païen, mais comme des chrétiens, comme ceux-là qui sont appelés de Dieu pour témoigner la gloire de Dieu. Ouais, chers amis, je crois que nous nous comprenons parce que la vie, c'est l'expression de l'amour de Dieu. La vie, c'est notre raison d'espérance. Nous espérons en Dieu parce que nous sommes en vie. Et c'est pourquoi la Bible déclare « Vaut mieux un chien qu'un lion mort. » Heureux sois-tu si tu es un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'un chien a aussi, comme toi, cette espérance de vie. Il peut espérer de vivre encore la gloire de Dieu. Mais si tu es un lion mort, bien que tu sois fort, bien que tu aies été puissant, mais ta force ne servira plus à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je veux que nous nous confions réellement au Seigneur. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous sommes obligés de nous renouveler notre force en Jésus, en lui qui a la force vitale. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est dans ton cœur, c'est là où Dieu te parle, c'est là où l'Éternel a placé son trône. Le trône de Dieu ne se trouve pas au ciel, mais dans ton cœur, là où la source de la vie se multiplie, là où la source de vie se manifeste, pour que cette vie se manifeste non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, pour que toi, si tu affectes la vie, tu donnes la vie à ceux-là qui ne l'ont pas. La vie ne s'explique pas seulement au souffle de vie, mais la vie s'explique dans des compétences, dans des qualités, dans des talents que Dieu a mis en nous. Donc, toute bonne chose qui est en toi, et c'est la raison pour laquelle Dieu nous garde en vie, pour que nous puissions témoigner ce qu'il a mis en nous au profit des autres, pour que les autres en bénéficient. Et la Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Je veux que, chers amis dans le Seigneur, que nous nous posions cette question. Pourquoi nous devons gagner le monde et si on va perdre notre âme? Mais moi, je veux que ce soir, cet après-midi, que nous arrivions à faire quand même cette introspection en nous-mêmes, de voir si réellement nous pouvons aller de l'avant avec le Seigneur. Nous pouvons aussi témoigner de cette vie en bien, au profit des autres, parce que le Seigneur ne donne rien en rien. Le Seigneur donne quelque chose, pour un but précis. Et je crois que, chers amis, fidèle auditeur de Casarema, la vie est précieuse. Veille sur ta vie, garde ta vie. La vie est un combat, c'est vrai, mais il faut se battre. Ici à Kin, nous avons toujours un slogan que l'homme doit se battre. Oui, l'homme doit se battre, mais l'homme par lui-même ne peut rien. L'homme doit se battre avec le Seigneur. Bats-toi avec le Seigneur et réellement tu seras trouvé vainqueur. Réellement tu vas vivre la victoire. Mais si tu vas combattre avec tes propres efforts, parce que l'homme est limité, l'homme a toujours un frein spirituel ou physique qui se pose toujours sur son chemin et l'empêche de percer, l'empêche d'aller de l'avant. Moi, je crois que, bien aimé le Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de Jésus dans notre vie, on a besoin du Seigneur dans notre vie pour que nous arrivions à percer, à témoigner Jésus, même avec nos talents, même avec nos compétences en bien.
bien et non en mal. Nous voyons combien de jeunes qui vont dans des loges. Nous voyons combien de jeunes qui perdent leur vie prématurément parce qu'ils ne savent pas se confier au Seigneur. Ils croient qu'avec leur capacité, leurs compétences, ils peuvent arriver à vivre la gloire. C'est vrai, mais cette gloire est éphémère. Cette gloire ne les amène à rien. Chers amis dans le Seigneur, je crois que le Seigneur nous fera grâce de continuer à parler, à nous entretenir autour de ces sujets. Écrivez-nous. Mon compte Facebook, c'est Flore Makwala. Et mon number, c'est 089 53 059 95. Nous avons besoin de vos réactions parce que nous sommes là, nous formons ensemble une équipe et nous devons réellement nous entretenir. Vous nous envoyez vos messages et ils seront bienvenus. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Et c'est pourquoi je m'en vais vous dire, la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là vient la source de la vie. La vie est précieuse, la vie est un privilège. Alors veille sur ta vie, car je ne sais avec quoi tu pourras la racheter. Elle est tellement précieuse que avec tes efforts, tu ne pourras rien faire. Et c'est pourquoi tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Merci à tous ceux-là qui étaient d'accord avec nous dans cette tranche d'animation. Et je m'en vais saluer, remercier l'équipe technique à la caméra. C'était mon frère Lavi Kanga à la réalisation. C'était le designer Cédric Ngongo. Et je n'ai pas oublié dans ces concours techniques Vianney Bola, mon frère Daddy et la sœur Nanette. Je n'ai pas oublié mon consoeur Nancy et mon consoeur aussi, mon confrère Alvin Béa. En tout cas, nous nous retrouverons pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Le groupe de prière Vase d'honneur organise une grande journée de prière et d'agapé le samedi 19 avril 2014 de 13h à 19h avec la femme de foi, la révérende Amy Coutineau, qui nous apporte comme message que votre Goliath soit renversé au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous êtes tous donc invités à vous joindre à cette grande journée de prière qui aura lieu au 26 rue Moutier 93300 Aubervilliers, RERB Saint-Denis, bus 170, mairie d'Aubervilliers. Contact plus 33 6 15 97 41 80, plus 33 6 29 89 67 22, plus 33 6 64 04 59 978. Ne manquez pas, bien-aimés. Ne manquez pas d'assister à cette grande journée de prière. Kazarima sera présent. Quel est donc mon problème, mon frère, ma soeur? Qu'importe le problème que vous avez, venez, l'Éternel vous donnera la solution. Vous serez guéri de votre cancer, vous serez guéri de votre sida, vous serez guéri de tous les problèmes qui vous préoccupent. Venez assister à cette grande journée de prière et l'Éternel fera sa faveur. Que Dieu vous bénisse et soyez le bienvenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr.